Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on termine notre tour d'horizon des annonces de Atomic Mass Game et on va parler des Inquisiteurs. On va commencer avec les figurines. Bon, elles sont dans un style de la série The Clone Wars avec une septième sœur avec son chapeau pointu. Moi je suis pas fan, mais bon, voilà, c'est un parti pris comme toujours. Il est urgent de ne pas se presser, faut les voir de près. Je trouve que les effets sur le sabre sont pas spécialement bienvenus non plus. Et puis pour le cinquième frère, ce que j'aime pas, c'est cette espèce de grosse main titanesque qu'il a sur le coin, qui est relevée. On comprend pas pourquoi en fait elle est là, cette patoune. Voilà, donc pour moi c'est un petit peu déceptif, même si je trouve que les travails sur sur la draperie et sur toute la partie costume, notamment poitrail, à la fois du cinquième frère et de la septième sœur, semblent assez remarquables quand même au vu de la taille de la figurine. Donc on aura quand même quelque chose à mon avis qui sera très détaillé. À voir si, comme pour Shatterpoint, il n'y aurait pas la possibilité d'avoir un deuxième visage. Alors, en l'occurrence, pour Shatterpoint, c'était lié au fait que les personnages étaient à la fois présents dans la série et à la fois présents dans du live. Mais bon, voilà. Moi, j'aime pas cette espèce de chapeau pointu, là, je trouve très laid. c'est un parti pris. Ça n'enlève rien à la qualité de la figurine. Alors, après, on va regarder les cartes des figurines en question. On va commencer avec le cinquième frère qui vaut 105 points, qui est donc un agent. Il va défendre en rouge, il a 602 en suppresse. Alors, on peut imaginer que c'est pas beaucoup, mais on verra que dans ses mots-clés, il a des choses qui sont plutôt sympas. Il va search en attaque, il se déplace à 2. Il va avoir donc son double sabre laser, son spinning lightsaber, qui va lancer quand même 5 dés noirs, avec un rame 2, un pacte 2 et perforant 1. Donc ça fait vraiment beaucoup. Je vous rappelle que le RAM, c'est la capacité qu'il aura de modifier deux résultats de dés pour peu qu'il effectue un mouvement complet avant. Donc il faut faire un mouvement en entier pour pouvoir bénéficier de ce RAM 2. Il aura également une arme à distance qui tire à 1-2, qui va lancer 3 dés noirs et puis qui a un pacte 2 et perforant 1. Donc en gros, il a quasiment tous les mots clés qui vont bien avec les armes. On est du coup sur un profil bien lourdeau et bien bourrin. On va également retrouver chez lui le Dauntless, qui va lui donner en fait un mouvement gratuit pour peu qu'il s'ajoute un token de suppression. Je rappelle que pour ce faire, il ne faut pas qu'il soit paniqué. Hein, d'accord, il ne peut pas se surpaniquer. Il va avoir bloc. C'est-à-dire que en fait, s'il défense un token d'esquive, il va gagner la surge en défense. C'est pas mal. Ça fait. On verra qu'il arrivera assez facilement à avoir ce genre de token. Il a également immunité perforant, comme tous les porteurs de sabre de toute façon. Et puis il a Enrage 2. Donc ça c'est sympa aussi, étant donné que à partir du moment où il aura deux blessures, il a 6 de vie, donc c'est envisageable, il va gagner la charge et puis surtout la suppression, il aura le fameux petit tiret, c'est-à-dire qu'il aura plus de valeur de suppresse. Donc on disait tout à l'heure que 2 c'était pas beaucoup, mais à partir du moment où il sera blessé, il aura deux blessures, il sera plus soumis à la suppression. Donc c'est plutôt intéressant. De l'autre côté, la septième sœur, elle vaut 110. C'est une agent également. Elle va également défendre en rouge. Elle aura 5 points de vie et 3 en suppresse. Donc moins de vie, mais plus de suppression. Donc ça, c'est normal, parce qu'elle n'a pas justement le enrage. Elle va surge en attaque, elle se déplace à 2, excusez-moi. Elle va avoir elle aussi le même sabre laser que lui, seulement elle va pas avoir le RAM 2. Elle va juste avoir impact 2 et perforant 1. Je dis juste, c'est quand même déjà pas mal quand même. Et puis elle a la même arme à distance qui tire à 1-2 avec 3 dés noirs, avec impact 2 et perforant 1. Elle va avoir une action de jump 1.
Elle va être également associée au cinquième frère. Elle va pas compter dans la limite de création de liste, pour peu que le cinquième frère soit déjà présent dans votre liste. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Elle a la charge, elle a l'immunité perforant. Elle a Discipline Aid qui dit que, en fait, si elle touche un ordre, elle se retire une suppression. Et puis elle a également le bloc qui fait que si jamais elle a un pion d'esquive, elle va surge en défense. Et puis elle a un petit mot tout nouveau là, interrogate, qui est très intéressant aussi, puisque en fait si elle est à 1 d'un ennemi qui joue, si elle est à 1 d'un ennemi qui est en capacité de jouer en fait une carte d'ordre, donc un agent ou un commandant la plupart du temps, en fait celui-ci il a sa pipe qui est abondée automatiquement de 1. Donc pour peu qu'elle soit à 1 de distance, elle impacte directement en fait tous les ordres qu'elle peut jouer. Donc si vous la stackez tranquillement à 1 du commandant, à chaque fois que le commandant jouera une carte d'ordre, ça lui vaudra une pipe de plus. Donc ça va être difficile de gagner en fait l'initiative avec elle dans les parages. Autant vous dire qu'elle va être assez agaçante. Après, c'est un gros risque que vous prenez à la tenir aussi près des forces ennemies. On va regarder les cartes d'ordre. On va commencer par la deux cartes d'ordre qui ont été révélées pour le cinquième frère. Donc la première qui va activer le cinquième frère est la septième sœur. C'est une pipe 2. Dans un premier temps, en fait, si lui il gagne une visée, elle va gagner une esquive. Si lui il gagne une esquive, elle va gagner une visée. Et dans tous les cas, si l'un d'entre eux accepte de se suppresser, l'autre touchera deux fois ce qu'il devait toucher. Voilà, c'est-à-dire qu'il touchera deux fois son esquive ou deux fois la visée qu'il aurait dû toucher par les effets de que l'autre ait gagné une esquive ou une visée. Voilà, j'ai été clair. Bon, je vous l'avais dit, ce sera assez simple d'avoir ce genre de token dans la partie, et en l'occurrence dans cette partie-là, au moment où vous jouez cette carte-là, il y a un espèce de petit effet sacrifice. Alors c'est pas forcément le cinquième frère qui se sacrifie, hein, c'est l'un des deux qui peut se sacrifier. Alors, il se sacrifie pas vraiment, hein, il prend une immobilisation, mais du coup l'autre va gagner le double de token. Je trouve ça intéressant parce que c'est une conditionnel dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est en fonction de la position de celui qui est le plus à même de faire quelque chose que vous pouvez le gratifier d'un double effet. Voilà, moi je trouve ça bienvenu comme carte. Ensuite, on a la pipe 3 qui va tout simplement lui permettre de distribuer des ordres à distance 1-5, et puis ils vont gagner, ceux qui reçoivent les ordres vont gagner Dauntless, c'est-à-dire que ils pourront faire un mouvement gratuit si ils se suppressent, tout comme l'avait le cinquième frère. Ça c'est cool. Alors là c'est pareil, hein. Vous gagnez un mouvement gratuit si vous prenez une suppresse, mais il faut pas être paniqué pour pouvoir le faire. On va regarder maintenant les trois cartes d'ordre de la septième sœur. Et donc avec la première qui est une pipe 1 qui va donner un ordre à elle et au cinquième frère. Donc ils vont gagner Indomitable qui va leur permettre en fait de se rallier en rouge. Ils vont gagner un dé supplémentaire en défense, donc c'est plutôt sympa. Et puis si la septième sœur elle est visée par une attaque, elle va gagner une esquive si elle a un ordre. En l'occurrence, elle en a un grâce à cette carte-là. On va voir la deuxième carte qui est une pipe 2. Lorsque on reçoit un ordre par cette carte, on peut immédiatement récupérer. Alors en l'occurrence, c'est le cinquième et frère et la septième sœur qui reçoivent l'ordre par cette carte. Lorsque la septième sœur attaque un agent ou un commandant avec un ordre qui est consommé, elle peut prendre jusqu'à deux suppresses pour gagner
autant de visées. Donc ça aussi c'est intéressant. Bon, c'est pas la carte la plus folle, mais ça va quand même lui permettre d'être relativement efficace pendant ce tour. Moi, ce que je trouve dommage dans cette carte là, c'est que il y en a que pour elle. Donc voilà, c'est vrai que ils vont récupérer tous les deux, mais il y a qu'elle qui touche ce gain de token, donc je trouve ça dommage. Mais après, ça ferait trop gourmand aussi, hein, faut reconnaître. Et puis la dernière, Pip 3, donc la septième sœur, elle va gagner démoraliser 1. Donc je vous rappelle que démoraliser 1, c'est quand elle se rallie, elle va balancer une suppresse à tous les ennemis qui sont à distance 1-2. Les ennemis à 1, s'ils sont suppressés, en fait, ils ont un dé en moins si ils utilisent une visée. Donc ça tombe bien parce que en fait tout ce qui va l'entourer et qui sera à distance 1-2 d'elle au moment du ralliement, ben en l'occurrence elle va leur filer de la suppresse, et puis du coup ben, le fait qu'elle leur file de la suppresse, si eux ils veulent utiliser de la visée pour la taper, ben ils vont devoir se reprendre une suppresse supplémentaire, ce qui au niveau des troupes va déclencher la plupart du temps de la panique. Donc c'est assez bien vu. On va voir la dernière carte, qui est une carte qui est juste, de mon point de vue, phénoménale. C'est une carte qu'on peut attribuer au cinquième frère et à la septième sœur. Et donc l'unité gagne démoralisé 1, donc ce qu'on vient de dire là, le fait que vous balancez une suppresse à une unité qui est une suppresse aux unités qui sont à distance 1-2. Donc ça vous gagne définitivement, et puis surtout quand une unité à distance 1 exécute une carte de la force, vous lancez un dé rouge et sur une touche ou un search, la carte n'a pas d'effet. Et non seulement elle n'a pas d'effet, mais elle reste dépensée. C'est-à-dire que elle est pas, c'est pas ben tiens tu, je te la renvoie, tu la gardes pour une prochaine fois. Non, elle est consommée en fait, elle est exhausted. Bon, ça c'est une nouvelle carte qui est exclusive au cinquième frère et à la septième sœur, et qui est juste badass parce qu'elle ne vaut que 5. Et ça définit clairement ces deux personnages-là comme étant des chasseurs de Jedi. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette très belle boîte des Inquisiteurs. J'ai hâte de voir le grand Inquisiteur dans l'histoire, de voir ce que ça va faire, parce que déjà on a vraiment ces deux profils-là qui sont très intéressants. Un profil, bon, pour le cinquième frère, qui est clairement très bourrin, il est très très fort. Le laissez pas trop s'approcher, même si il a pas de jump, il sera quand même assez long, vous le verrez venir, mais une fois qu'il est là, il y a quand même moyen qu'il nettoie pas mal de choses. Et puis une septième sœur qui est, je trouve, très très subtile à jouer, qui reste un personnage extrêmement badass. Moi je pense que voilà, elle va être revue à la hausse dans pas longtemps. Parce que elle offre vraiment des opportunités de jeu qui sont très létales. Et en complément, si vous les jouez tous les deux, et vous pouvez le faire en fait grâce à cette restriction qui est levée, bah voilà, ça peut faire mal. Donc j'ai hâte de pouvoir tester cette boîte. N'hésitez pas à liker, à partager, et puis surtout à commenter cette vidéo. N'hésitez pas, si c'est pas déjà fait aussi, à vous abonner. J'aimerais bien que on monte un peu. Là, on est en stagnation totale. Et puis, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets. Bah, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le team d'en face. Allez, à très bientôt. Ciao.